Bonjour, je suis Vincent Ambrès et on est encore sur un tuto des timelapses. Donc voilà, on revient sur Photoshop et vous voyez, voilà, on a édité maintenant notre timelapse, il est sorti, voilà. Donc je vous remontre un peu tout ça avec les outils teinte, saturation, les outils courbe, toute cette partie-là qu'on a retravaillée pour pouvoir avoir un rendu spécifique. Alors on va voir le timelapse défiler et on va pouvoir se rendre compte de la retouche. Donc, comme vous pouvez voir, bon, on voit juste beaucoup de voitures bouger. C'est assez fluide, c'est assez sympa. Dommage qu'il n'y ait pas plus de mouvement dans les nuages, que ça soit vraiment très blanc. Mais bon, on a vraiment un rendu, vous voyez, très coloré, parce qu'on a ajouté de la saturation, on a vraiment travaillé sur différentes choses. Donc, réellement, une timelapse, c'est assez sympa à faire, et on peut avoir des choses assez surprenantes. Car on voit des voitures, des choses qui avancent. Vous voyez là, on a vu les retouches apportées, c'est-à-dire les courbes qui ont amélioré. Là, on passe sur les courbes sombres, donc on a changé de retouches et on a un autre rendu de suite qui est différent, un peu plus sympathique, voilà, un peu plus sombre. Et ça nous permet ça me permet de vous montrer que voilà, dans un timelapse avec Photoshop, selon les différentes étapes, on peut améliorer tout ça. Donc je vous rappelle, on a fait un timelapse avec la GoPro, on a traité par l'eau sur Photoshop, c'est-à-dire on a traité la première photo, on lui a appliqué tous les réglages, on a redressé l'image et on a exporté toutes les images. Une fois que tout ça s'était fait, c'était dans un dossier, on est passé sur Photoshop, on a fait nouveau, on a édité, on a ouvert un nouveau fichier en film, on a mis toutes les photos, on a traité par espace ce qu'on voulait améliorer ou pas, et on a édité. Donc, voilà, c'était pour vous montrer le résultat du timelapse. Je vais vous faire défiler encore les timelapses que j'ai fait précédemment en extérieur, en voiture et dans une soirée pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Et je vous dis voilà. Donc j'espère que ces vidéos sur les timelapses vous a plu, que vous avez pu vous rendre compte du côté sympa. Donc n'hésitez pas à utiliser votre appareil photo pour le faire, ou une GoPro, ou tout ce que vous pouvez avoir qui vous permet de prendre des photos par séquence, par intervalle en fait. Voilà. Donc je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi pour cette série sur les timelapses. Au revoir.